Bon bah nous voilà au camping du Bois de Boulogne. Voilà, il y a pas mal de camping-cars. Et il faut marcher un petit peu je crois, et on va prendre le bus, et voilà, en espérant qu'il y ait des métros. Apparemment il y a la ligne 1 et la ligne 4 qui sont ouverts, donc on verra ce que ça donne, j'espère que ça va marcher. Bah on a beaucoup marché. Hein. Ah, pas tant que ça, mais pour des petites jambes. Bah oui. Pour les petites pattes comme ça, ouais, on a beaucoup marché. Bon, on va essayer de trouver. On va essayer de trouver un métro, mais c'est la grève là, c'est ça qui est un peu pénible. Bon, allons voir l'arc de triomphe. Alors, l'arc de triomphe, de mémoire, il fait 80 mètres de haut. Et il a été construit par Napoléon pour célébrer les victoires de l'armée française, hein, de son armée en fait. Allez, on va aller à côté, et puis voilà. Bon, bah, j'espère que je vais pas me faire tabasser, étant donné que j'ai mis mon blouson jaune. Je vous montre. Mais bon, allez, on y va. Donc c'est ce que je disais, en haut, il y a toutes les batailles gagnées par Napoléon, ici. Il y en a d'autres de l'autre côté, je crois. Les belles sculptures là, qui ont été un peu saccagées l'année dernière, mais bon. On va pas faire politique sur les voyages de lustre. Ça va énerver tout le monde. On est dans le tunnel de l'Arc de Triomphe. J'arrive de Santiago, par le métro Barbès Montuno, à l'heure de l'apéro. Dans le studio, les salles c'est haut. La sonnette. T'as vu, c'est le haut de la tour Eiffel. Et là, c'est la tombe du soldat inconnu. Tout bas au bas, c'est plus rigolo. Hey, hey. Barbès, Montuno. Tabasse au piano. Champs-Élysées, pa va 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 va. Oh, Champs-Élysées, yeah. Ça c'est la vue, vue d'en haut. Vue d'en haut, hop, Champs-Élysées. Oh non, pardon. C'est plus New York City. Ils ont quand même chanté toute la nuit. L'ambassade de Russie. Ah non, ambassade d'Égypte. Bureau de la défense. Ah, c'est l'Égypte en fait. Mais c'est un vieux truc parce que c'est le drapeau russe. Bon, je comprends rien. Et puis, bah, il y avait que les bagnoles corps diplomatiques partout. Là, on dirait l'ambassade de Grèce. C'est la Grèce. Ça. Il y a un drapeau européen, ouais. Je sais pas ce que c'est que cette ambassade là, mais il y a des grilles partout. L'Iran, je connais pas ce drapeau. Vous devez me trouver bizarre, mais je fais nous les ambassades quand je vais à Paris. Mais non, voilà, on va voir ça. Ça c'est le drapeau du Qatar. Ça va être l'ambassade du Qatar, place des États-Unis. En même temps, ça ne m'étonne qu'à moitié. En face, il y en a d'autres là-bas. On est vraiment dans le quartier là. Ah, ici c'est l'ambassade du Koweït. Rue de Lübeck. Et en face, il y en a une autre, je sais pas ce que c'est. Hey, hey, hey.
tout mouche. Je rêverais de n'importe quoi, désir farouche, néanmoins. Le Louvre s'approche, je visite les berges de Paris. Un son qui décroche, sans souci, aucun problème. C'est ainsi que nous portent les flots. Faire le swing à tous les mélos. Reste du son, frisson dans le dos. Bon, par contre, c'est un peu la queue pour rentrer. Bon, bah, profite, Jeanne, hein, c'était ton rêve, voilà, rêve réaliste. Non, c'est pas réaliste. Ah bon, parce que c'était quoi ton rêve alors? D'aller dans la tour. Ah, tu voulais être dedans? Ah ouais? Bah si tu veux aller dedans, faut qu'on fasse ta queue. Enfin, c'est devenu n'importe quoi, quoi. Ils ont mis des grillages partout. Putain. Sans déconner. Ouais, il est temps qu'il la repeigne. Hein. Oh là, il y a de la rouille. Il y a de la rouille, il y a de la rouille. Il a déliré quand même. Il a déliré. On voit toutes les petites lumières là. Ouais, vu qu'on fait le tour des ambassades, là on arrive au Liban. Je crois. Et on a loupé l'ambassade du Laos. Et on en a loupé une autre, je sais plus laquelle c'est. Mais bon, voilà, c'est pas de notre faute. Notre route était sur la route des ambassades. Et il y a plein de Porsche partout, des Ferrari, on a vu passer une Lamborghini. En même temps, on est dans le 16e, donc voilà, c'est un peu le quartier. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo de Paris. On s'en va pour Reims et Senlis, donc prochaine cathédrale, Reims. Et voilà, allez, à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Reste du son, frisson dans le... Ah voilà, l'idée c'est de cette patte. La cathédrale où ont été couronnés la plupart des rois de France. En hommage au baptême de Clovis, qui est un peu le début du royaume des Francs, enfin de la France quoi.